fois où tu m'as dit c'est la dernière. T'as dit la même la fois d'après, avant d'être. So can you check? J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je vous ai pas parlé. Parce que c'est vrai que j'ai débuté l'année dans un bad mood. Enfin, surtout, j'ai fini l'année dans un bad mood. Mais j'ai décidé d'aller mieux, tout simplement. Parce que il y a rien de grave. Il y a des trucs beaucoup plus graves dans la vie. C'est ce que j'essaie de me dire. Du coup, voilà, je suis de retour et ça va beaucoup mieux. Voilà. Je remercie d'ailleurs mon entourage qui a beaucoup été présent pour moi dans cette période assez compliquée. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, c'est pas non plus un drame de fou qui m'est arrivé. Voilà, je vais vous le dire, c'est clairement une rupture. Mais c'est pas très très grave. On va dire qu'il y a pire et puis que je débute l'année sur de meilleures bases. Voilà. Donc en tout cas, à partir d'aujourd'hui, je suis représente pour vous faire chier sur les réseaux. J'espère que vous êtes contents, que je vous ai manqué et tout et tout. Pour ceux qui me demandent, les résultats du concours, ils seront annoncés à 20h ce soir. Donc vous avez jusqu'à encore 20h pour participer. Je vous mets le post dans la story suivante. Et voilà. Et pour ceux à qui j'ai manqué sur YouTube, alors oui, le calendrier de l'Avent, c'est fini. Mais je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo que je pense, parce que je viens de regarder l'heure sur mon téléphone juste là-haut. Je pense que je vous la sortirai vers 16h, je suis en train de la terminer. Voilà, une nouvelle vidéo pour débuter l'année. Voilà. Ah, 2020, une année assez compliquée. On a débuté l'année pensant pas qu'il allait nous arriver tout ça. Puis un jour, Monsieur Macron a décidé de prendre la parole et de nous confiner. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Bon, du coup, jour 1 du confinement et là, je viens de me lever, quoi. Je me suis déjà ennuyée hier et là, je sais pas quoi faire, il est 9h. À partir de ce moment-là, il a fallu réussir à s'occuper comme on peut, vous occuper comme je pouvais. J'ai fait pas mal de vidéos. Ça a été une année rude, je pense, dans tous les sens du terme, que ce soit pour moi ou pour vous. Mais on a quand même réussi à s'en sortir et on passe à 2021 en oubliant tout ce qui s'est passé auparavant et en essayant maintenant d'aller de l'avant et d'aller mieux et de prendre cette année de la meilleure façon qui soit. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une Mes amours, je sais pas si vous avez vu ma vidéo YouTube de mes résolutions, mais je vous parle d'une application qui n'est autre que Keto6. C'est une application archi bien où vous pouvez contrôler combien d'eau vous buvez par jour, le nombre de pas que vous faites, et vous avez également des exercices de sport ainsi que des recettes. Et je voulais vous en parler en story et cuisiner une petite recette from Keto6 avec vous tout de suite maintenant en live pour vous montrer à quel point elles sont trop bonnes. Ya ya ya! Bon mes amours, ce soir je vais vous préparer un poulet teriyaki avec du coup tous les ingrédients que vous voyez là. C'est archi facile, archi rapide à faire. Du coup pour commencer, je fais caraméliser les oignons avec un filet d'huile d'olive, une cuillère de sucre et un verre d'eau. Une fois que c'est fait, je viens rajouter le poulet. En attendant, je rajoute 2 cubes de cubeur dans 1,5 litre d'eau que je fais bouillir. Une fois que le poulet est prêt, à partir de là, je vais venir rajouter du coup tout ce qui est ail, sel, poivre, épices et sauce teriyaki. Et à partir de là, votre poulet teriyaki est prêt. Donc franchement, c'est archi simple. Et il vous reste plus qu'à faire cuire votre éblie une fois que votre eau a bouilli. Et après, juste à déguster tout ça. Ya ya ya. Bon, comme vous venez de voir, je me suis préparé un poulet teriyaki un petit peu revisité à ma façon. Mais avec l'aide de Keto6, puisque c'est un plat healthy qui vient justement de l'application Keto6. Moi, j'ai rajouté de l'éblie. Parce qu'il faut bien accompagner le poulet de quelque chose, c'est très important. En tout cas, si tu veux retrouver cette recette ou d'autres recettes, tu n'hésites pas à swipe up pour télécharger l'application. Surtout qu'aujourd'hui, avec le code promo RBB75, tu as moins 75% sur l'abonnement Keto6 de 6 mois. Donc franchement, ça vaut grave le coup. Tu swipe up, tu pourras faire du sport, manger healthy, sain et démarrer l'année 2021 sur de bonnes bases. Ya ya ya!